Sadio Mané risque gros après sa bagarre avec Leroy Sané. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sadio Mané, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ce qu'on est parti. Alors, Sadio Mané aurait bagarre avec Leroy Sané. Déjà, ce que moi, je veux dire ici, c'est que Mané, ce n'est pas un mec qui est mauvais. Ce n'est pas un mec, ce n'est pas un mauvais garçon. S'il arrivait à cet état, ça signifie que Sané a dû le provoquer à maintes reprises. C'est un mec qui n'aime pas les problèmes. Oui, on ne tolère pas la violence, mais en même temps, on ne tolère pas le manque de respect. Si un joueur ne te respecte pas, tu ne vas pas rester les bras croisés. Tu es obligé de réagir. C'est dommage que ça puisse finir comme ça parce que Sané, en réalité, c'est aussi un Sénégalais, même comme il est allemand, son père est Sénégalais. Donc, entre deux Sénégalais, c'est vraiment dommage que ça puisse finir ainsi. Mais en même temps, il faudra vraiment que Mané retrouve ses performances. Parce que si Mané retrouve ses performances, on va vite oublier ça. Il sera adoré par les supporters, par le président, etc. Il faudra vraiment que Mané retrouve ses performances. Pour moi, s'il retrouve son football, on va lui pardonner, y compris les supporters, y compris les dirigeants. Donc, soutien à Sadio Mané et bonne chance pour la suite de sa carrière. Donc là, ce que je voulais partager avec toi, donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.